Wilfried, le FC Sat s'impose 2-0. Le FC Sat conforte sa place de leader. Et j'ai envie de dire que c'est une soirée parfaite. Toi, l'ancien Blaisois, tu marques et donc le FC Sat toujours premier. Effectivement, c'était une prestation qui me tenait à cœur. C'est contre mon ancien club. Donc j'ai essayé de ne pas trop me mettre plus de pression que ça. Toute la semaine, je suis resté focus dans l'objectif de prendre les 3 points et de me concentrer sur ma performance. C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir. Tu as été content de ta performance, j'imagine. Oui, ça va. On aurait pu faire mieux, j'aurais pu faire encore mieux encore, mais les 3 points, c'était primordial. Alors, je vais te parler d'un point de vue positionnement sur le terrain. Je viens d'interviewer il y a quelques minutes Loïc Lambert, qui nous a dit que, bon, déjà, il gardait un magnifique souvenir de toi sur les 2 ans passés en ta compagnie. Il avait le sourire quand on parlait de toi. Mais il a dit que lui, il avait plus tendance à t'utiliser sur le côté que joueur axial. Toi, quelle est ta préférence? Moi, ma préférence, c'est sur le terrain. Tant que je joue, ça, c'est positif déjà. Après, le positionnement, c'est un réglage. Je suis formé en tant qu'attaquant, donc ça veut dire que j'ai des repères en tant qu'attaquant. Et avec lui, je me suis révélé en tant que milieu gauche. Mais à Orléans, j'ai joué en tant que milieu droit. Donc on peut dire que j'occupe tout le front de l'attaque. Tu es un joueur polyvalent. Ouais, voilà. Mais si tu devais choisir une position, si je devais choisir une position, bah ça serait sur le côté gauche pour pouvoir rentrer à l'intérieur par rapport à certaines courses que j'ai l'habitude de faire régulièrement. Alors Wilfried, le FC Sat est leader depuis quelques journées déjà. Le FC Sat consolide son avance. Je pense qu'on ne peut plus se cacher ouvertement. Le club vise la, même si c'est tôt, certes. Mais le club ouvertement vise la montée à l'échelon du dessus. En interne, on vise le top 3. Et on sait que dans cette poule qui est très difficile, tant qu'on reste dans le haut de tableau, on sait que tout est possible. L'année dernière, on l'a très bien vu, avec Blois ou avec Sète, qui a joué la montée jusqu'au bout du bout. Et au final, c'est le plus qui est monté. Mais l'objectif, c'est de rester dans ce peloton de tête. Bien sûr, on va pas s'en plaindre d'être premier. C'est toujours mieux, mais l'objectif c'est de rester dans le peloton de tête. Très bien, Wilfried, le Samuel Eto'o du FC Sat. Je te remercie et bravo encore pour ta performance. Merci à toi. Très bien, merci. Francis, le FC Sat s'impose 2-0. Le FC Sat a parfaitement assumé son statut de leader et le FC Sat a consolidé son avance en tête du classement. Ton match, toi, comment tu l'as vécu? Première mi-temps un peu compliqué, ils n'avaient pas de difficulté à se trouver au milieu. Ça permettait bien, il se trouvait bien au milieu, donc on courait un peu après le ballon. Mais après, on a la chance de mettre ses deux buts et d'un peu les assommer avant la mi-temps. Après, seconde mi-temps, un peu plus tranquille, un peu plus sur des contre-attaques. Suite aux consignes du coach, il vous a demandé de gérer de... Ouais, c'était ça, de gérer, de continuer sur la dynamique de la première mi-temps. Et voilà. Comme je dis à chaque match, on sent que quelquefois, parfois le FC Sat est en difficulté, mais on sent cette équipe extrêmement sûre de ses forces et sereine. Est-ce que toi, sur le terrain, tu le ressens aussi? Ouais, c'est ça, on est sûr de nos forces, on sait qu'on est solide, et on sait qu'à chaque sortie de balle, on peut faire très 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 mal. Et donc voilà, comme tu l'as dit, on est sûr de nos forces, de nos qualités. Et voilà, on peut parfois paraître dominé, mais non, on est toujours là, et on sait quand faire mal et où faire mal. Alors, hormis cette défaite en coupe à Frontignan, le FC Sat est sur une spirale plus que positive depuis de longues semaines déjà. On dit toujours que dans une saison, il y a une période creuse. Est-ce que cette période, tu la crées? Ou peut-être il n'y aura pas de période creuse. Je l'espère qu'on l'ait pas. Après, la craindre, non, je la crains pas. Je sais qu'on, comme je te disais, on est sur nos qualités, on sait ce qu'on vaut. Et bon, je sais qu'on lâchera pas, qu'on est un groupe solide. Et voilà, donc je crains pas personnellement cette période creuse. Et je sais qu'on aura les épaules pour rebondir. Alors pour terminer, Wilfried Banajaba nous a dit que dans le vestiaire, vous parliez de top 3. Moi, je pense que c'est un peu de la langue de bois. Est-ce que, très sincèrement, bon, certes, comme je disais aussi à Wilfried, la saison est encore très longue. Mais les objectifs, c'est la montée, uniquement la montée, non? Ouais, top 3, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que chacun on l'a dans un coin de la tête, on va pas se mentir. Et voilà, on va essayer de finir le plus haut possible et tout en espérant finir dans le top 1. Ce serait une déception de pas monter. Voilà, ouais, voilà aussi, ce serait une déception de pas monter vu le début de saison qu'on fait. Très bien. Francis, merci. On montera, moi je te le dis. J'espère. Et tu as raison de rester
calme et de ne pas envisager trop de choses par la suite. Tu me laisses m'enflammer à moi. Merci à toi. Merci à toi. Alors Loïc, le Blois s'est incliné ce soir 2-0. Et je vais faire peut-être une entame un peu culottée. Mais je vais la faire suite au magazine que j'ai récupéré. C'est un France Football de 1989. Et donc là on vous voit. Rodrigue, tu m'as tué. Je me souviens de cette Et j'ai envie de dire ce soir, c'est le FC7 qui vous a fait du mal. Ouais. Votre avis sur cette rencontre. C'est tout à fait ça. En fait, on avait bien analysé leur jeu. C'est toujours les mêmes constantes par rapport à la saison dernière qu'on a vécu ici d'ailleurs. Je me souviens qu'on avait gagné 3-0 mais de manière heureuse, et notamment sur la deuxième mi-temps. Et je me souviens de 20 premières minutes très difficiles, et les 20 premières minutes on les a connues aussi difficiles. Alors après, ce que je regrette, c'est qu'ils ont plus ou moins laissé le ballon et qu'ils ont procédé en contre, et qu'on a été prévenus et qu'il fallait surtout pas perdre des ballons dans certaines zones. Et malheureusement, ça s'est joué sur deux coups comme ça, deux pertes de balles. À regret, évidemment. Alors après, il faut remobiliser les troupes. Le match, il n'était pas terminé. Puis on s'est aperçu que sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait mérité au moins marquer un but. On tire deux fois sur le poteau. Je pense qu'on a fait le nécessaire sur la deuxième mi-temps, parce qu'on a senti cette équipe de 7 sur le reculoir. Ils ont concédé quelques occasions quand même. On ne les a jamais sentis très sereins malgré le fait qu'ils menaient 2-0. Ils ont procédé en contre, et puis nous on a essayé de proposer quand même quelque chose de cohérent. Et ouais, je pense sincèrement que les joueurs ne sont pas récompensés ce soir sur la deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps, on a un peu plus de regrets. Sur l'ensemble du match, évidemment, la victoire de 7 est plutôt logique, mais voilà, je pense sincèrement qu'il y avait quelque chose à faire. Alors Loïc, l'année dernière, Blois a squatté, d'ailleurs tout comme le FC7, les premières places du classement. Blois, chaque année, se fait piller, le mot est exagéré, se fait prendre quand même beaucoup de bons éléments. Et malgré tout, toi, tu es toujours là, et le club, quoi qu'on en dise, est toujours très très bien classé. Alors j'y mets un petit bémol. Autant l'année dernière c'était plutôt logique dans la forme et le fond, et dans la façon de procéder. On avait un jeu d'attaque qui était vraiment très performant. Évidemment quand on perd 5 attaquants à la trêve estivale, plus des joueurs défensifs, on s'amoindrit, et il a fallu reconstruire. Ça prend du temps, et je suis agréablement surpris du nombre de points que l'on a à l'heure actuelle. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Voilà, on a un effectif qui n'est pas pléthorique, et il faut surtout qu'on continue à beaucoup, beaucoup travailler pour essayer de s'améliorer de toute façon dans toutes les zones du terrain. Et pour terminer, j'aimerais, si tu veux bien, que tu me dises un mot sur justement un de tes anciens attaquants, Wilfried Banajaba, qui vous a fait du mal ce soir. Oui, bah, que dire de Wilfried. On l'a perdu évidemment à regret. Ça a des bons souvenirs, je vois ton sourire. Au même titre que d'autres, oui, parce que on a travaillé 2 ans ensemble, et puis une relation de confiance s'est installée. Et je pense sincèrement qu'il a beaucoup évolué dans son jeu, qu'il a progressé. Alors là, je vois qu'il joue plutôt dans un rôle axial. Moi, je le faisais jouer sur un côté. Je trouve qu'il est beaucoup plus performant sur un côté. Maintenant, ça reste Banajaba, et je pense qu'il fera les beaux jours du FC7 cette année. Il marquera des buts, et puis c'est vraiment un joueur très intéressant à entraîner. Très bien. Loïc, merci encore pour ta gentillesse, malgré la défaite, et pour ta disponibilité. De rien. Et à bientôt peut-être. Ouais, merci encore. Au revoir. Allez, réaction d'après-match avec Ryan Ferraoui et Oumar Diop. Oumar, toi tout d'abord, comment tu t'es senti dans cette rencontre? En plus, tu veux pas développer un peu? Je sais pas parler. Regarde à toi alors. Je pense qu'on a bien pillé le match rapidement. Après, on a digéré. Monsieur, Omar, comment tu te sens toi depuis ton arrivée au football club? Pardon, au football club, toi qui as connu pas mal d'expériences, tu avais joué à Malte, à Andorra. Comment tu te sens dans ce club? C'est un club un peu familial, je me retrouve bien ici. Chico, tout ça qui me met bien aussi. Tu connaissais du monde avant de signer avec FC7 ou pas du tout? Pas du tout, juste dedans. Et maintenant ça se passe bien. J'essaie de faire une petite affaire.
Alors on m'a dit que tu étais un joueur à fort caractère et que tu étais quelqu'un qui était sûr de son potentiel. Sûr de moi, après il faut tout le monde, je sais. Il faut travailler. Et ça passe par des entraînements, bosser aux entraînements et après tout le monde. Ryan, toi, j'ai mis une photo de toi hier sur la page hein, où j'ai mis que hein, tu n'étais pas blessé, tu étais parti de joueur indiscutable presque de coach Gibal. Tu le ressens toi sur le terrain, la confiance qu'il te porte aussi? Oui, franchement, c'était un match que j'enchaîne. Je crois que je suis de mieux en mieux, bien, tout se passe bien pour l'instant. Allez, très bien les gars, je vous retiens pas plus. Merci et merci de cet effort pour toi.